Nous prenons les choses étape par étape. D'abord, nous allons devoir nous battre pour l'inscription à l'ordre du jour de cette commission des lois. Et je le dis, ça va être une bataille qui est une bataille âpre. Ensuite, chacun des parlementaires prendra ses responsabilités dans cette commission. Il y a 21 députés macronistes sur 73 commissaires à la commission des lois. Donc, normalement, nous avons la possibilité de faire continuer cette discussion dans l'hémicycle. Ce qui est grave, c'est qu'on ait un parti de gouvernement, le Parti Socialiste, qui nous dise que cette motion n'a aucun sens, qui nous dise que cette motion est grotesque, mais qui vote quand même sa recevabilité, entre guillemets, pour que le débat ait lieu. Et ça, ça affaiblit de manière extrêmement forte l'Assemblée nationale elle-même, le bureau de l'Assemblée nationale lui-même, qui, de ce point de vue-là, devient une espèce de chambre d'enregistrement de toutes les idées les plus délétères des uns et des autres. Et ça, c'est très grave. Au-delà de la personne du président de la République, ce sont nos institutions, celles de la Ve République, qui sont visées et qui ont pour but aujourd'hui très clairement de procéder à une forme de coup d'État politique de la part d'une minorité qui a choisi la violence en politique.